Hey, c'est tout le monde, c'est quoi moi le Gus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour le mode carrière avec mon équipe, la Team Arkham Pro, l'équipe Duvel. Nous sommes le 15 avril 2015, nous avançons, et oui, car j'ai envie quand même que la saison avance, hein, il y a encore quelques mois à faire. Donc bon. Et aujourd'hui, ce sera le tour du Loir-et-Cher, Émile Provost. Je crois que c'est Émile, Eugène Provost, j'en sais rien. Bref, c'est le tour du Loir-et-Cher, peu importe, 5 étapes au programme. Du sprint, hein. Donc il y a un chrono, je crois quand même. Du sprint là, ok, il y a du sprint. Du sprint 231 km. Étape 4, ce sera du sprint. Étape 5, du sprint. Voilà, donc 5 étapes de sprint. Autant dire que c'est un tour pour les. Ah oui, sprinter, mais oui, bien sûr. Et ce soir, vous aurez le tour du Finistère. Ah bah oui, le tour du Finistère, le voici. Donc voilà, vous voyez le programme, il est là. Voilà. J'ai une classique en vallon, une semi-classique en vallon. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc il n'y aura que cette étape-là, vous le savez maintenant. Hein. C'est une course par vidéo. Peu importe la durée, hein, que ce soit une étape, deux étapes, trois étapes, cinq étapes, six étapes. Enfin bref, vous l'avez vu le tour Normandie, vous avez vu les sept en une vidéo. Donc voilà, que vous voyez tout de suite. Hein, voilà. Non, pas celle-là. Celle-là, je ne vais pas la faire. Mais non, je m'en fous de celle-là, moi. Qui n'est pas en forme? On va envoyer ceux qui sont pas en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 coureurs qui sont en forme. On va y aller. C'est quoi ça? C'est du pavé, hein? C'est du pavé, quoi. N'importe quoi. On va Popovic, à la limite. Popovic, ouais, allez. Le Vigano, elle est pas en forme, Vigano. Oh, putain, c'est la loose, ça. Parce que là, bon, mon tour des sprinteurs, bah, j'ai Van Der Poel tout de même. Hein, mais avec 70 en sprint, hein, le pauvre. Ok, mais la carnet. Ouais, si, bon, bah écoutez. De toute façon, ils sont pas en forme, mais je vais quand même prendre David et Vigano au cas où, on sait jamais. Ouais. On va quand même prendre le Vigano. Allez, c'est parti. Simulation rapide. Et oui, là, je vais pas la jouer. Je vais tout de suite. Hein. C'est des pavés. J'ai aucune chance, de toute façon. Donc, voilà. Victoire de Philippe Gilbert. Le premier, nous, il est. Oula. Oui. Le premier, il est là. C'est Colos qui fait 82e. Ah non, Garceline qui fait 55e. 55e, bah c'est le meilleur, 55e, bah, c'est bah, voilà, comme ça. Il n'y a pas le blessé, non, il y a pas les abandons, mais il n'y a pas le blessé. Chez nous, en tout cas, c'est good. Bref, le tour de Loir-et-Cher, s'il vous plaît. Le voici, le voilou, Blois, Nouan, le fuselier. C'est magnifique comme nom. Hein. Ouais, donc, ouais, c'est du sprint. Hein. Van Der Poel, leader, bien sûr, je pense. Bah, c'est même sûr, j'ai pas le choix. Parce que Vigano, je le prendrais bien, mais il n'est pas en forme, quoi. Vigano, on va quand prendre Vigano au cas où, on verra bien comment il évolue. Voilà, on va mettre un petit médecin aussi, hein, c'est toujours intéressant. Voilà, sur ce, on se retrouve donc sur les routes du Loir-et-Cher, Blois, nous en le fuselier. Première étape, c'est parti. Il reste 22 km sur cette première étape du tour de Loir-et-Cher. Ouais, les femmes, moins 1 pour Van Der Poel. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Je suis désolé, hein, ça arrive. Le peloton a largement augmenté son rythme. Omen devant, mais bon voilà, le peloton roule. L'échappée était très longue à se mettre en route. Le peloton ne voulait laisser partir personne. Omen, il a dû attaquer au moins 3 fois, 4 fois. J'ai essayé de faire partir aussi. Amel Moinard, pareil, non. Et à un moment donné, on a pu partir, mais voilà, que c'était compliqué à partir de l'échappée. Je vous jure, hein, ça. Pouh. À croire que ce tour de Loir-et-Cher est super, super. Enfin bref, allez, le sprint. On va faire suivre qui là. Vigano, il a un petit plus 2. Pourquoi pas? Il est pas en forme, je sais, mais pourquoi pas. Toi, tu vas suivre Kang. Ah oui, mon train va être long, je sais, comme d'habitude. Vorobiev. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Malacarne, car David est Malacarne. Je l'ai échappé. Allez, hop, on se met en place. Voilà. On va attendre que tout le monde arrive. On se met sur la gauche de la route, ce sera mieux. J'aime bien être sur la gauche de la route. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Bah si, je sais pourquoi, c'est parce que voilà, par là, au moins, on passe bien en général. Allez, mes amis, revenez, s'il vous plaît. Venez. Voilà. C'est bon, ça va le faire. On va juste ralentir un tout petit peu. Voilà. Eh, les gars, venez. Il reste 10 km à parcourir. Mais ils sont où, mes gars, là? Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Mais qu'est-ce que j'y fais, là? Putain, mais vous êtes sérieux, les gars, là? Putain. Ils ne veulent pas se mettre, alors vous allez me dire, tout... on va aller à droite alors. Non, mais écoutez, s'ils veulent pas aller à gauche, on va aller à droite. Hein. On va aller à droite, mais que là à droite, ça va peut-être le faire. Ils sont où?
Vorobiev, on se mouille, ils sont là. Enfin, les gars, bah putain, il était temps. Allez, on roule. On va mettre notre EGM pour tout terminé le monde. Le groupe. Oh, la cassure, non, ça a failli. Vigano, il est où, mon. Il est à Van Apoulé, là, c'est bon. Les coureurs entrent dans les 5 derniers bon, là, kilomètres on de l'étape. Faire Vorobiev abandon maintenant. À l'arrière. Voilà, Vorobiev qui va emmener. Kong qui emmène et qui va sprinter. Allez, mon petit Kong. Passe à gauche. Voilà. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Kong qui emmène. C'est parti pour l'emballage final. Vigano. Allez, Van Der Poel maintenant qui va faire l'effort. Allez, 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 on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Toi, tu bloques là. Bien joué, victoire de Vigano. Yeah, bien joué. Et Van Der Poel, deuxième. Bien joué, les gars. Il a arraché la victoire sur ce sprint massif. Yeah, on est content. Il on est peut remercier ses équipiers. Il y a quoi, là, franchement, il est dans de bonnes conditions. Et voilà, Omen tranquille. Voilà, bah, la rage de Omen, forcément, il a fait de l'échapper. Victoire dans de Vigano devant Van Der Poel, Jonathan Hiver, Kemp, Pichot, Pinto, Kung, Pebami, Varda et Gretchen. Oui, bon, il n'y a pas les Cavendish, il n'y a pas tout ça, bien sûr, il n'y a pas Crocard, il n'y a personne. Mais bon, on s'en fout, c'est le Tour de Loir-et-Cher, c'est une victoire, ça fait des points pour le Continental, le classement, c'est le principal aussi. Je vous le dis, c'est le principal. Alors, hop. Hop. Et hop, voilà. Ah non, attendez, j'ai un petit texto qui apparaît. Oui, texto. Le classement, le voici, donc le voilou. Voilà, première table je trouve la chair, c'est une victoire. On se retrouve tout de suite sur la deuxième étape de ce Tour du Loir-et-Cher. 24 km de l'arrivée de cette deuxième étape. 800 sur Cosson. Fougère. Malacarné devant. Malacarné, une minute 20 d'avancement pour le peloton. L'échappée va devoir batailler pour éviter le retour du peloton. On va même se relever. Là, il a pas mal roulé, hein, le Malacarné, mais voilà, on va attendre le peloton tranquillement. Les mecs ne veulent plus rouler avec moi, donc bah, autant dire que voilà, ça sert à rien. Voilà, allez-y, roulez maintenant si vous voulez. Ça roule vraiment bah, je fort. Fous, il je ne vais faut attendre pas le peloton, que ça sert à rien. Trop, sinon, il va y avoir des cassures. Bah, puisque voilà, Van Der Poel, c'est mon leader ce tour. Même si pour l'instant, c'est Vigano qui reprend du terrain sur l'échappée. Mais ça reste Van Der Poel, mon leader. Est-ce qu'on va pouvoir remettre les. Est-ce qu'on va pouvoir suivre ou pas maintenant? Ouais, Vigano, ok. Vigano va suivre Kung. Ouais. Kung va suivre Vorobiev. Ouais. Et Vorobiev va suivre Ziloli. Oui, oui, ce coup-ci sera Ziloli. Il reste exactement oui. 15 km sera avant lui, l'arrivée. Mon poisson pilote aujourd'hui. Enfin, l'un des poissons pilotes, ce n'est pas le seul. Allez, 85. Mais attendez, il faudrait peut-être que Vorobiev suive là. Mais on va sur la droite de la route si tu veux. Allez-y, les gars. Vorobiev, viens dans ma roue, s'il te plaît. Merci, c'est cool. Voilà. Allez, Ziloli qui roule fort, très très fort même là. Hop, David Malacarné qui. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais Malacarné. Il va suivre Van Der Poel, tiens. Ouais, pourquoi pas, écoutez. Ah, mais ça, c'est Van Der Poel qui va être mon. Il reste mon leader. Maintenant moins de. Allez, 10 km à parcourir. Une petite bosse hein. Après. Non, on vient de passer la bosse, excusez-moi, je viens de dire des conneries. Allez, mon petit Ziloli. Le gel qui va bien. Le gel pour Vorobiev. Pas encore pour Kung. Kung. J'ai du mal avec ce nom. Voilà, c'est bon. Fin de l'échappée. Le groupe vient Vigano. D'être repris. Hop. Et Van Der Poel. On va attendre un petit peu. Van Der Poel. On va attendre. Maintenant. Voilà. Allez. Nous sommes à Vorobiev 5 km. Prend le relais. Hop. On passe à droite. Carmo. Là. Van Der Poel qui est un petit peu merdé là. Maintenant c'est Kung. Allez mon petit Kung, on fait même que la dernière fois. Hein. Enfin que la dernière fois que tout à l'heure au final. Allez c'est parti. Kung amène le sprint. Le sprint final est lancé, ça va très vite maintenant. Vigano qui va se décaler. Vigano se décale. C'est parti pour Van Der Poel. Ouais, Van Der Poel est moins fort, hein. Forcément on le sait. Hein.
Hop, 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 on a bouché. Allez, vegano, allez, 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 mon petit vegano, vegano, allez, allez, allez. Oh non, il va se faire battre. Il va se faire battre. Ah ouais, non, dommage. Battu par Kemp, 113 en sprint. Battu peut-être par Pinto, je ne sais pas. Non, non, le vegano, ouais, c'est battu. Il est battu. Un sprint tout il en est puissance battu. Pour une il est battu. Superbe victoire. Troisième vegano. Bien joué, Kemp. Bien joué, bien joué. On s'est fait avoir là. Ouais, ouais. L'étape a mis les organismes à genoux. En fait, je devrais même presque mettre Vigano leader, même s'il n'est pas en forme, hein, parce qu'il a quand même des. Il est quand même meilleur forcément, il a quand même 2 ou 3 points de plus que Vigano. Que Van der Poel, excusez-moi. Vigano toujours leader en tout cas, 4 secondes d'avance sur Kemp. Grâce aux bonifications, tout ça, bien sûr. Les Portugais sont en forme là. Ils occupent 2 premières places par équipe. Bon, 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 ouais, pas grave, pas grave. On fait 3ème tout de même, c'est pas si mal. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense que Vigano, du coup, serait peut-être le leader. Hein. Parce que Van der Poel, c'est qu'il est quand même léger, hein, 70-74. Lui, il est quand même 113-71. Donc, moins d'accélération, mais un meilleur sprint. Mais nous verrons bien. Allez. Ça va aussi dépendre de la forme du jour et tout. Hein. Vous savez, que la forme moyenne. Voilà, il n'est pas en forme, Vigano. Donc je ne sais pas. Hein, et nous verrons bien. Allez. Je vous dis à tout de suite pour la 3ème étape de ce Tour du Loir et Cher. A tout de suite. 25 km de l'arrivée de cette 3ème étape. Fretval-Vendôme. Vous voyez, c'est légèrement vallonné. Hein. Vous voyez qu'il y a des petites bosses. Donc, Van der Poel sera mon leader sur le sprint. Il a plus 3 en plus, le petit Van der Poel. Il sera. Devant lui, il y aura Keng. Ensuite, il y aura Malacarne. La ligne d'arrivée est à moins de 20 km voilà. Et il y a toujours plus d'une minute d'avance pour premier, l'échapper. Le suspense reste entier. On verra. Allez. 22 km encore. Attention, une attaque dans le groupe de tête. 4 en mal avant. Il est possible que je sois interrompu hein, pendant cette étape. Donc je vous le dis, il y aura peut-être une pause. Mais bon, la pause, vous ne la verrez pas. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, allez, bientôt les 18 km. Est-ce qu'on va pouvoir faire notre sprint ou pas? Car des fois, quand il y a des bosses, on ne peut pas les faire, des fois. C'est qu'en vallon, on ne peut pas le faire, des fois. Mais bon, on verra bien. Bref, c'est pas important. Et 18 km 300, on va voir tout de suite. Oui, c'est parti. Keng, qui va suivre David Malacarne. Non, il va suivre. Si, Malacarne qui suit Zilloli. Encore 15 Zilloli km va suivre à parcourir. Voilà. C'est parti. Et Vigano va quand même suivre Van der Poel au cas où. Voilà. Au cas où il sera fort. Le peloton réduit l'écart avec l'échappée. Allez, on va à gauche. On tourne à gauche. Allez, allez, allez. Ah, les gars, allez, suivez, bordel de merde. Malacarne qui en chie apparemment pas mal là. Allez, l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Allez, monde. Allez. Ah ouais, là, là. Le peloton a largement augmenté son rythme. Malacarne, c'est bon, c'est bon. Il est pas sinon, il est encore en forme. Bon. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Allez, on va accélérer l'allure. Voilà, on passe à gauche tranquille. Les gars, faut suivre là. Faut suivre. Hein. Allez, c'est bon. 8 km d'arrivée. Hop, on joue sur le fait que Van der Poel soit excellent. Le sprint massif loin, hein. Paraît désormais inévitable. Le peloton vient de reprendre les échappées. Prendre les échappées. Je me concentre les gars, désolé, hein, je ne parle pas beaucoup, je me concentre. Allez, c'est parti maintenant pour Zilloli. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Malacarne. Les 4 derniers kilomètres. Allez, Malacarne qui fait l'effort. C'est parti pour le sprint. Keng. Keng qui emmène. Et qui va sprinter. Voilà, c'est parti. Ou bien ça. Bien joué là. Entre les deux. Ça y est, le sprint est lancé. Van der Poel bien emmené là. Allez. Il va faire l'effort là, Van der Poel. Allez, mon petit Van der Poel, tu peux le faire, Van der Poel. Allez.
Van Der Poel, il va le faire. C'est bon. Victoire de Van Der Poel. Yes. Parfait. Bien joué. Victoire bien emmené là, tranquille. Ligne, tout en puissance. Van Der Poel, Iver, Gréchin, Pichot, Werdo, Kang, Jérôme, Kemp, Pocher, et Barry. Cool. Les retardataires continuent à arriver. Yeah. Perfect. Ouais, Vigano, là, voilà, je sentais pas spécialement bien Vigano, hein, donc je me suis dit, Van Der Poel va le remplacer. Et comme c'était vallonné, puis le plus 3 surtout, voilà, c'était vraiment idéal pour lui. Une victoire pour mon petit. Et c'est lui qui prend le leadership pour 5 secondes en Vigano. J'ai tourné verte à 9 secondes. Ça me met à l'abri d'une bonification, je pense. Je ne sais pas. Van Der Poel, meilleur classement par points. Meilleur grimpeur, Rebo. Je ne connais pas. Je connais Rimbaud, mais pas Rebo. Meilleur jeune, bien sûr, Van Der Poel. Et par équipe, 3 équipes portugaises. Ils sont en forme, les Portugais. Ils sont en force. Ils sont en forme, ils sont en force. Bref. C'était donc la 3ème étape de ce tour de Loir-et-Cher. Nous sommes à 13 heures de course pile poil. C'est cool, c'est beau, c'est joli. Bref. Ouais. Allez, sur ce, rendez-vous sur la 4ème étape de ce tour de. Non, pas de Picardie, non, le tour de Loir-et-Cher, tout simplement, quoi. Alors. Allez, il reste 20 km dans cette étape, cette 4ème étape entre Angers et Angers. Alors, c'est pas le Angers. Voilà, c'est là, c'est Angers. Voilà. Vous avez compris, j'espère. Moi, oui, je me suis compris. C'est le principal. Vigano sera le leader du sprint. Car, comme vous le voyez, bah oui, moins 3 pour Van Der Poel, donc c'est aucune chance ça pour lui. Ça roule vraiment fort. Il sera emmené par Kang. Sinon, il va y avoir des cassures. Il sera emmené par Kang. Allez, dépêche-toi, toi. Non, par Omen. Ouais, plutôt Omen, tiens, ouais. On va faire confiance à Omen ce coup-ci. Qui lui va suivre Kang. Qui lui va suivre Vorobiev. Vorobiev d'ailleurs, c'est même pas Vorobiev normalement, je crois que c'est Vorobiev, mais bon, je suis pas sûr. Bref. Allez, c'est parti. On va à gauche, comme d'habitude. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Un petit train là, c'est pas le gros train comme d'habitude, hein. Vous le voyez, là, que 4 coureurs. Alors je vais mettre quand même Van Der Poel à la suite de Vigano. Voilà. Vorobiev, quand même 13 km de l'arrivée. Petit train là, petit train, ouais, j'avoue que là c'est assez. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de Malacarne, il n'y a pas moi, Zeloli, il n'y a pas de Monard. Pourtant Monard en plus 3, j'aurais pu le faire. Il est où, Amel Monard? Est-ce qu'il est loin? Ah ouais, ah, quoique... Ouais. Le rythme du peloton s'est nettement accéléré. Ça ouais. Laisse peu de chance à une on attaque. On va emmener Amel Monard. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Amel Monard, qui lui va rouler. Voilà. Les équipiers des principaux sprinteurs ah ouais, ne laissent plus aucun bond de sortie. L'étape allez, hop, va se terminer par un sprint massif. Voilà. Omen, par contre... Oh là là, Vigano qui a obligé de faire un gros sprint pour revenir. J'ai un petit peu fait le con, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça va le faire. Allez, 5 km à parcourir. Amel Monard qui emmène très fort. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 5 derniers kilomètres. Allez, maintenant ça va Vorobiev d'emmener. Kung qui va sprinter. Kang, excusez-moi, je dis Kung, mais c'est Kang. Ouais, j'ai pas trop, je sais pas trop là, je sais pas ce que ça va me donner. Allez, Omen. Vigano, il a récupéré un tout petit peu, mais pas suffisamment, je pense. Hein. C'est parti pour le sprint final. Allez, qui Vigano. Va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Van Der Poel aussi. Allez, Omen. Omen, peut-être. Allez, ah non, non, il craque. Dommage. Victoire de Jonathan Iver devant Kemp. Pichot. Omen va faire 4, je c'est pense, à moins que oui, il va faire 4. Français, bon. Ah, bah non, Hiver. Il fait les 5. Bon. Et il y a Grodek qui l'a pris. 4ème place. Bon, on a un petit peu déconné là sur ce sprint. Mais bon, après, on n'a pas, voilà. On a pas... Enfin, c'est pas qu'on a déconné, hein. Après, voilà, on a fait ce qu'on a pu, tout simplement. Hein. L'ordre n'était peut-être pas le meilleur. C'est peut-être ça, je sais pas. En tout cas, victoire pour la Bretagne séchée environnement. Bien joué à toi, Jonathan. Jonathan, parce que j'ai... Jonathan Iver qui prend le meilleur maillot de leader. Aïe, 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 il faut qu'on gagne la prochaine étape, absolument.
Il faut que l'on gagne la prochaine étape absolument. Sinon, ce sera encore une déception sur ce tour. Après, on va gagner pas mal d'étapes, encore une fois. Non, 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 là. Toujours sur les sprints, hein, donc du coup, voilà. Voilà, une seconde avance sur Van Der Poel. Donc, Van Der Poel doit absolument soit prendre des bonifs ici et surtout gagner l'étape, hein, ça serait cool. David Vigano, il a 6 secondes. On verra bien. Écoutez, sixième étape, sixième, non, cinquième et dernière étape de ce Tour de l'Enchère. Je vous dis à tout de suite. Les 25 derniers kilomètres de cette étape, et vous le voyez, moins 5 pour Van Der Poel. Moins 2, 0 pour lui, moins plus 2 pour Vigano. Vigano peut-être, on verra bien. Mais je vais peut-être tenter, si Kung a réellement plus 5, je vais peut-être tenter un petit quelque chose avec lui. Ouais, parce que du coup là, un petit plus 5, ça peut être sympa, on verra bien, on va voir. On va voir si ça roule fort ou pas déjà. Moins de 20 km, un peu plus d'une minute d'avance, l'échappée va Ouais, ça roule devoir fort, ça batailler roule pour fort, ça éviter roule le retour fort, du ça sert pas peloton. grand chose. Vigano plus 4, ouh, Vigano plus 4. Ta-da-da-da-da-da. Ça peut être sympa ça. Ouais. 20 bandes de l'arrivée, donc peut-être ça, avec Ziloli qui est pas mal non plus en forme encore. Ouais, Certaines Vigano équipes plus ont pris 4, l'allure du peloton c'est en assez main. cool Ils ça, ne plus doivent pas 4 là avoir de coéquipiers franchement. placés dans l'échappée. Ouais. Allez, reste 18 500, on pourra faire le sprint bientôt. Alors du coup, Kung, je ne tente rien avec lui. Voilà. Kung qui va suivre Ziloli, qui va suivre Malacarne. Et Malacarne va suivre Van der Poel. Voilà, Van der Poel, tant pis, avec son moins 3, il peut rien faire. Déjà qu'il n'est pas super en forme. Enfin, il n'est pas Il super en forme, reste mais il est moins exactement fort que les autres déjà en 15 km sprint. Alors avant en plus, l'arrivée. voilà quoi. Bref, c'est pas grave. Et on va mettre Vorobiev qui va suivre Vigano. Car j'aime pas qu'on puisse prendre ma roue. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Allez, mon petit Van der Poel, qui roule, qui roule, qui roule. Pierre qui roule n'a pas sa masse pas mou. Voilà. Pierre qui roule n'a pas sa masse pas mou. Bref, c'est pas grave, je sais plus ce que je disais. Alors, hop, Jonathan Hiver, bien sûr, archi L'échappée du jour ne favori, convient pas à bien tout le sûr. monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Les coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Le gel pour mon petit Van der Poel. L'échappée est terminée. Le groupe vient d'être repris. Ouais, Les Malacarne, sprinteurs c'est un cherchent à peu se con parce que replacer du à coup l'avant lui du il est pas peloton. super. Nous allons probablement assister à une... Encore des coureurs qui se font lâcher. 97 même, allez, on va vraiment rouler fort là. Non, 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 mais là je l'ai dit. On Qui va roule. être le premier sur la ligne aujourd'hui? Allez, 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 allez. Non, ça n'a pas bugué. J'ai cru que ça avait bugué, non, ça n'a pas bugué au final. Bon. Je Non, je commence à crois qu'il a bugué, m'énerver je sais là, et je pas commence à où dire j'en suis, putain! j'en étais, mais c'est Non, pas grave, bugué, ça a ouais. bugué. Mon enregistrement, il s'est arrêté comme ça, tout seul, comme un grand. Bref, je disais donc, le Tour de Bretagne, 7 étapes ce soir, ou la prochaine fois que vous regardez la vidéo, je ne sais pas quand ce sera. Donc voilà, 7 étapes en une seule vidéo, comme le Tour de Normandie, décidément, Normand et Breton, la petite guéguerre continue, 7 étapes. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, et rendez-vous donc en Bretagne. Pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!